Donc j'ai fini, ben, vu qu'il est, il est. Attends, il est 1h20 du matin. J'ai fini hier soir à 20h30 la partie 3. Et puis on a soupé, puis on a commencé à regarder Wolverine. Et je me suis endormie dans le divan. Je viens de me réveiller il y a un quart d'heure. Donc j'ai pris la partie 4 que je vais entamer maintenant. Voilà, je sais que du coup j'en ai pour plusieurs heures à ne pas dormir, ce qui est un peu pénible. Donc je vais le préparer. Donc on a choisi la place des rosiers. Ils sont plantés. J'ai fait du DP en regardant le live de Dylan. On rigole toujours bien. Bon, là, je vais mettre un morceau de papier collant. On voit bien que c'est la partie. Mais vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que du coup, bah, vous dormez bien. Génie, toi, j'espère que bah, ta journée se passe bien. Je vais aller vérifier si tu as mis la partie 1 du 9 mars, parce que la partie 2 ne durera que 9 minutes. Je suppose que la partie 1 a mis plus longtemps à charger. Ici, je peux mettre du HT même sur les symboles et les chiffres, puisque c'est ce que j'ai mis sur mes petits tacs. Donc, ça ne me dérange pas. Une fois qu'il n'y a que des lettres et des chiffres, ben, autant mettre ça. C'est quand même plus simple quand on les choisit. Là, ici, mettre le plastique. Je ne sais pas si c'est des rivières ou pas. Donc je l'ai repassé, mais il reste toujours une petite. Allez. J'arrive pas à l'enlever. Ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est déjà arrivé dans un DP et de près ça se voit, je trouve. Je sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Du coup, demain, ben, on va monter une planche. J'espère que la lumière pour toi n'est pas trop pénible. Pour toi, pour vous, je commence à parler comme génie. Je ne parle pas trop fort parce que Pilou dort à côté. Je vais pouvoir entamer la partie 4. Alors, je vais prendre la petite barquette. Les ustensiles. Ma chambre se trouve partout. Je suis endormie dans le divan. Donc, avec des couvertures. Des plaids qui sont plutôt en matière, ouais, pas la matière plaid, mais j'ai un pantalon et un pull. C'est pas vraiment un pyjama parce que je ne dors pas en pyjama, mais qui me sert en journée quand il fait froid comme ça, qui est dans la même matière. Je me suis réveillée, j'avais transpiré parce que moi je dors à la fenêtre ouverte, été comme hiver, et je me suis endormie dans le salon, évidemment.
dans les vignes avec, avec la fenêtre ouverte, logique. Je me suis réveillée, j'étais trempée. Je suis allée me rafraîchir et j'ai changé mes vêtements. Pour ne pas tomber malade. Je ne sais pas si mon fils Eric a utilisé la cire d'abeille, parce que Megan n'a pas aimé travailler avec. Je ne sais pas s'il l'a utilisé ou pas, et ce qu'il en pense, puisque je ne l'ai pas eu au téléphone hier. Après, il travaillait peut-être jusqu'à 20 h, donc. Il faut absolument que je règle mon sommeil parce que. Dans 13 jours, je reprends le boulot. Je vais pas pouvoir gérer comme ça. J'espère que je vais avoir les diamants petits que j'ai commandés sur Amazon aujourd'hui. Parce que là, je fais le moyen. Et ensuite, il ne me restera plus que la cinquième partie, c'est de nouveau un petit. Donc ça, je le fais en 24 heures, enfin en moins de 24 heures, enfin, je veux dire sur la journée. Celui-là, probablement aussi. Et j'aurais voulu commencer celui de ma petite fille, juste après. Bon, si c'est pas là, ben, je commencerai Michael Jackson. Michael Jackson, c'est celui de ma petite fille. Je commencerai Le Loup de Soline. Je regardais Dylan hier et quelle dextérité il utilisait la pince pour prendre ses diamants. Et je me demande, enfin Jérémy aussi d'ailleurs, mais je me demande si quand il va commencer une toile avec des diamants ronds, s'il aura aussi facile. Je ne sais pas, c'est pas aussi facile que prendre des diamants ronds avec la pince que des diamants carrés. Du coup, voilà, moi je vais continuer de mon côté. Et je vous reprends une heure un peu plus raisonnable où je peux parler un peu plus fort. Alors là, il est quelle heure? 10 h 20. J'ai quand même dormi. Je suis allée me coucher à 4 h du matin. Donc j'ai quand même avancé dans mon DP. Dans la quatrième partie, et je me suis levée à 9 h 30. J'ai quand même dormi un peu, ça fait du bien. Je crois que dans une vie précédente, j'ai dû me fâcher avec Morphée, dû lui faire quelque chose, et là, c'est vengeance. En parlant de vie précédente, quand vous êtes comme ça la nuit réveillée et que vous ne faites pas de bruit parce que votre mari dort. Vous n'allez pas mettre la télé ou les copines, etc. On est trop près. L'esprit vagabonde et je pas pourquoi, peut-être parce que justement, je me faisais la réflexion que dans une vie précédente, j'ai dû blesser Morphée. Je me souviens, je pense que c'était Sheila, il me semble, Sheila ou une autre. Qui avait expliqué qu'elle avait fait enfin qu'on lui avait non là je suis occupée à chercher un mot, je suis désolée, il n'y a pas longtemps que je suis réveillée. Allez, oui, sous hypnose
Elle est remontée très loin dans sa vie et elle s'est rendue compte qu'elle est une réincarnation de Cléopâtre. Un truc dans le genre. J'étais occupée à me dire, mon Dieu, quand vous entendez des personnalités, donc je ne parle pas de la religion bouddhiste qui croit en la réincarnation. Je ne sais absolument pas ce sujet-là. Je parle de certaines personnes connues qui vous parlent, qui sont la réincarnation de ci, de celui-là, de celle-là. Est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est toujours des gens qui sont, ils sont la réincarnation de personnages, mais très importants. Je n'entends pas qui raconte que c'est la réincarnation d'une petite fermière, née d'une famille de 14 enfants au XVIIe siècle et qui est morte de faim à 14 ans, quoi. Non, ça, ces pauvres petites ne se réincarnent pas. Toujours Cléopâtre. Napoléon, des gens. Par contre, je n'ai pas entendu non plus beaucoup de personnes qui sont la réincarnation de personnages tels que Néron. Non, non. Pourtant, normalement, Néron aurait dû se réincarner parce que la réincarnation, c'est pour pouvoir t'améliorer dans ta vie. C'est vrai. Donc lui, il aurait quand même pu payer le fait d'avoir brûlé Rome. Ce n'était pas un personnage très sympathique. Je ne pense pas que Cléopâtre ait été un personnage très sympathique non plus, hein, entre nous soit dit. Enfin bon, elle a une aura différente. Et évidemment, quand vous pensez à tout ça, vous vous dites qu'il y en a quand même beaucoup qui sont la réincarnation de Cléopâtre ou de personnages très très célèbres comme ça. Alors, est-ce que c'était des grands schizophrènes? Qui avaient plusieurs personnes dans leur tête, dont fatalement plusieurs réincarnations en même temps. Parce que plusieurs réincarnations, d'accord, sur des siècles ou des millénaires, ok, mais quand même, que plusieurs personnes à la même époque soient la réincarnation du même personnage, ça voudrait dire qu'il y avait beaucoup de monde dans leur tête à ce personnage-là. Enfin, vous voyez les réflexions qu'on peut se faire la nuit. Je ne dirais pas dans le silence, comme j'ai des acouphènes, je dirais dans le bruit des sifflements. Enfin, plus tu penses et moins plus tu penses, tu laisses ton esprit vagabonder, moins tu te focalises sur tes acouphènes. Donc, c'est bien. Et donc, je vous fais part de mes réflexions de cette nuit en me disant, c'est quand même dingue. Bon, maintenant, c'est terminé. Il y a eu comme ça une époque. Ou ces vedettes, ces gens, ça c'est quand on n'en prend pas sur son stylet. Ces gens connus, c'était fort la mode de parler de la réincarnation, donc ils expliquaient de. Je me suis toujours dit, c'est quand même curieux. Mais est-ce que ces personnes y croient réellement ou elles sont d'une naïveté triste honnête? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc là, ben, cette nuit, j'ai fait cette petite partie. Ouais, je vais peut-être remettre. J'ai pas remis de cire depuis, donc je vais peut-être quand même remettre de la cire parce que là, j'en loupe pas mal. Non, c'est la question qui était posée. Tu aurais souhaité être la réincarnation de qui? Ah, ok, tu peux choisir un personnage parce que tu connais pas la petite paysanne qui est la huitième d'une famille de 14 enfants qui tu la connais pas, donc tu peux pas dire tu choisis quelqu'un que tu connais. D'ailleurs, tiens, voilà, ce serait peut-être un défi à lancer à mes copines ou mes copinettes, comme dirait Sissi. Si tu devais être la réincarnation de qui ou de quoi? Parce que dans la réincarnation, on peut être réincarné en mouche à caca. Hein? Ça, c'est possible. De qui ou de quoi serais-tu la réincarnation et pourquoi? Voilà une chose qui peut être intéressante à savoir. Évidemment, il faut que je sois une personne qui soit décédée
avant ta naissance. Bon, je ne peux pas dire Winston Churchill, ce serait bien trop facile puisqu'il est mort après ma naissance. Alors, de qui j'aurais bien voulu être la réincarnation? C'est une bonne question. Peut-être y réfléchir parce qu'après tu dis et pourquoi? Tu comprends? Et pourquoi? Je vais réfléchir à ce thème-là. Je vais essayer de trouver. Et si tu crois en la réincarnation, en quoi voudrais-tu être réincarné? Voilà, un sujet à creuser, pourquoi pas, lors de blabla des Diamond Painting. Ce n'est pas un défi que je lance, une idée de sujet à creuser. Comme ça me vient là tout de suite comme idée, je ne vais pas la développer maintenant, ce sera dans un prochain blabla. Bon, après, tu élimines directement des personnages, qui sont éliminés d'office de ta liste. Hein. Monstres et compagnie. C'est un chouette dessin animé, à part ça, il y en a eu des vrais, hein. Je ne sais pas si vous entendez, sa temple n'arrête pas. Honnêtement, j'ai plus en plus de peine pour lui. Pas l'air bien pour. Enfin, c'est pas malade, hein, il n'a pas de maladie. Mais je pense qu'il n'a pas l'air bien dans sa peau, là. Je ne sais pas. Quand on prend un animal, c'est pour s'en occuper. C'est pour ça qu'on avait pris Satan et Shrek parce qu'un bouc n'aime pas de vivre seul. Depuis la mort de Shrek, il y a eu toute une période où disons, en été, ça va, en été au printemps, ça va plus ou moins parce que ben, Major passe la majeure partie du temps dehors et avec lui plusieurs fois par jour, donc il joue. Et, en hiver, un peu moins. Major, il va tous les jours le voir. Ils jouent ensemble tous les jours, mais bon, il reste un peu moins longtemps. Puis nous, on est moins dehors aussi, puisque bon, ben, ça caille quand même. Donc, à part aller lui dire bonjour, un peu le caresser, on ne reste pas à côté de lui pendant des heures non plus. Et je crois que la solitude lui pèse. Alors, on ne veut pas reprendre un bouc. Ça, on en a discuté, on n'a pas envie. Mais d'un autre côté, il n'a pas l'air heureux, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est triste. Honnêtement, c'est triste de l'entendre pleurer comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Peut-être, je sais pas, pour
posé. On a une ferme où il y a plusieurs boucs et des biquettes qui sont ensemble. Proposer de voir s'ils veulent pas reprendre sa tente, qu'il y ait des compagnons, des compagnes. Parce que les animaux de troupeau, ils sont pas faits pour vivre seuls. Je sais pas. Enfin bon. Ben sinon, je sais. Oui, Pilou m'a dit que j'ai un colis de Alibaba qui est arrivé en Belgique. Donc, je me demande combien de temps il va rester à la douane avant qu'il arrive dans ma boîte aux lettres. Alibaba, c'est bizarre, c'est AliExpress, il s'est trompé. À mon humble avis, il s'est trompé. Donc là, je vais continuer mon petit DP. Comme à cette heure-ci, je n'ai pas encore grand-chose à vous dire, à part voilà, les réflexions de cette nuit. Puis j'ai regardé le. Allez, les Diams d'NC, elle a mis la partie 1, a pu se mettre en ligne. Donc je l'ai regardée juste avant de m'endormir. Et elle parlait, donc je lui avais proposé comme sujet, si je venais chez toi, quelle serait la journée parfaite que tu me proposerais? Et elle m'a parlé d'aller sur une île, d'aller voir le phare d'Amédée. Donc je vais aller zioter ça sur Google, parce que rien que de l'entendre parler, j'ai envie. Ah, il faudrait que je gagne le loto. Ah oui, je sais, pour gagner le loto, il faut y jouer. Disons le principe de base, j'y joue pas. Et j'irais bien passer bon, une journée, fatalement, non, probablement plus. Mais du coup, j'ai une envie de dingue d'aller voir, d'aller sur cette île en compagnie de Génie. Donc moi je vais continuer mon petit tour et on voit après si on a quelque chose à se dire. Alors coucou, donc il est 18h27, toujours mercredi. Ben aujourd'hui s'est passé quand même pas mal de choses. Donc la première et la plus importante, Megan a ouvert sa chaîne. Donc, je suis trop contente. Bon, pour l'instant, malheureusement, en fait, elle avait choisi un nom, c'est les ateliers, l'atelier, non, le. Enfin, bon, elle avait choisi un nom qui était très, très, très proche d'une autre youtubeuse, ce qui fait que je lui ai dit, le problème, c'est que quand on te cherche toi, on tombe d'abord sur l'autre youtubeuse, donc. Ça va prêter à confusion. Donc, elle dit, ah oui, t'as raison, je vais changer le nom de ma chaîne. Bon, moi, je m'étais déjà abonnée à sa chaîne avec le nom de l'autre, enfin, qui était proche. Et donc, elle a changé le nom de sa chaîne. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut pas aller sur sa chaîne pendant un petit temps. Donc, YouTube lui a dit, quand vous changez le nom de votre chaîne, il est possible que ça prenne plusieurs jours avant que vous puissiez y retourner. Donc, elle ne sait pas y retourner. Donc voilà, c'est un peu embêtant pour elle. Bon, moi j'ai déjà bien avancé ici dans le DP. Donc je suis quand même contente. J'ai toujours pas reçu les DP que j'ai commencé sur Amazon, que j'ai commandé, pardon, sur Amazon, ce qui m'embête parce qu'on est quand même en Prime. Que j'ai commandé ça le 4 mars, qu'on est le 10 mars, ça fait 6 jours. Et que, voilà, je trouve que c'est long quand même pour quand on commande par Prime.
Donc, je n'ai pas beaucoup de U, mais je vais les faire. Pour le moment, ben, Pilou promène à nouveau Major. Aujourd'hui, il a été chez Horta, qui est une pépinière à côté de chez nous. Et il est allé chercher ben, du terreau et des graines à mettre dans les parterres pour faire des fleurs de. C'est des ensembles de graines pour faire des fleurs de plusieurs couleurs. Donc ça s'appelle jardin sauvage cette année-ci. L'année passée, c'était fleurs à papillons. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de papillons, mais cette année-ci, il a pris fleurs sauvages. Donc il a fait ça aussi. En plus, donc Mégane met sa chaîne, puis elle n'arrive plus à la retrouver. Enfin, et la crèche lui téléphone parce que Aria a 39 de fièvre. Donc elle est partie chercher Aria juste un peu avant midi. Elle a récupéré. C'est vrai que quand un enfant rentre à la crèche, mais il fait pas mal de petits virus, hein, il chope tout ce qui traîne. Et là, ça fait pas longtemps qu'elle est rentrée à la crèche. Bon, je l'ai eu il y a quoi? Il y a une demi-heure. Elle lui a déjà donné du Perdolan, mais la fièvre ne tombe pas. Et c'est une enfant qui est hyperactive. Enfin, hyperactive, une enfant qui joue, qui s'exprime, qui a beaucoup la bougeotte. Et là, elle est devant la télé et il lui faut rien. Donc, c'est un peu embêtant. Enfin, c'est un peu embêtant. Je suis triste pour elle, quoi. J'espère qu'elle va vite aller mieux. Je reprendrai des nouvelles demain matin. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été assez rapide à vous abonner à sa chaîne. Parce que vous, avec le lien que grâce à Dylan, j'ai pu mettre en dessous de ma petite vidéo. Elle est passée. Enfin, là, je suis allée voir il y a quelques heures. Elle était déjà à 27 abonnés. Pour une chaîne qui vient de s'ouvrir, c'est vraiment super génial de votre part. Vous êtes des amours. Des amours. Alors moi, je me suis mis à jour dans les vidéos des petites romances de Lily, de ma petite Lily. Parce que j'ai du retard dans beaucoup de vidéos. Je parle, donc j'essaye de me concentrer pour ne pas faire de bêtises. Parce que je fais des bêtises parfois. Et donc voilà. Donc normalement, ben, quand Pilou rentre de la promenade de Major, il va venir me rejoindre, prendre son DP, faire sa petite heure de DP près de moi, ce qui va être super sympa. Alors, on a eu un message de AliExpress nous disant que un des colis est arrivé en Belgique, donc je ne sais pas combien de temps la douane va le garder. Et c'est la mallette de rangement. Donc, je serais contente de l'avoir. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait aussi, j'ai repris tous les DP que j'avais. Il restait pas mal de planches de bois assez solides. Donc, on a mis une planche par terre dans ma chambre, j'ai mis des DP dessus et d'autres planches bien ouvertes, et j'ai mis d'autres planches dessus pour qu'il allez pour enlever toutes les pliures. Parce que je vous avais dit qu'il fallait repasser ces DP, c'était l'idée que j'avais vue sur l'atelier de Didith. Mais il y a certains plis, bon. Il n'y a rien à faire, il reste. Donc j'essaye cette technique de les mettre sous un poids comme ça. Surtout comme j'en ai beaucoup, ben voilà. Et j'espère que ça va bien aller. Je verrai déjà quand je commencerai le loup de Céline. Si ça ira ou pas. Je cherche mes Z. Alors, les Z sont à côté des 7 et je vous jure que parfois j'ai un doute. Pourtant, j'ai mes lunettes hein, sur mon nez. Hein. Mais ça s'approche quand même. Z et 7, là c'est beaucoup des 7. Et tu vois, j'ai des Z.
Z comme zézette. Zézette et POSIX. Ah, voilà mon pilou. Pom 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 pom. Y en a-t-il encore? Je cherche. Je cherche. Je n'ai pas l'impression. S'il y en a encore, ben, je retournerai dans mon petit pot. Hein. Allez, c'est un. Donc, je vais faire les deux. On en voit pas mal. Eric n'a pas essayé la cire encore, il n'a pas eu le temps. Ben oui, il a repris le boulot. Il fait un plein temps, il met 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir. Donc c'est mon fils, le papa de mes deux petites filles, les plus petites et plus jeunes. Donc c'est le troisième enfant que j'ai eu, Eric. Voilà. D'abord eu Joe, qui a 36 ans, qui est papa de ma première petite fille, Kathleen. Puis j'ai eu Christelle, qui est la maman de mon unique petit-fils. Puis j'ai eu Eric, qui est le papa de Aria et Nora, et qui est le compagnon de Megan. Et 8 ans après, ben, j'ai eu Kylian, qui dans moins d'un mois aura 23 ans, qui est à l'UNIF, donc il vit chez nous. Enfin, chez nous, pas dans notre maison. Parce que on a eu la chance en louant cette maison qu'il y ait une dépendance. Enfin, le propriétaire de la maison s'en servait pour faire du théâtre et mettre les décors. Donc c'est sur 2 étages. Et c'est à côté de la maison, mais c'est pas dans la maison. Ben, on a tout refait. On lui a fait un petit appart. Donc, il soupe avec nous. Bien sûr, on le voit quand même tous les jours. Enfin, tous les jours, c'est pas vrai, parce qu'il est quand même de temps en temps en balade. Bah, cette tâche-là. Hein. Voilà. Mon pilou qui vient de dire maintenant activité cool. Ça veut dire qu'il va venir me rejoindre. Et donc, il est quand même souvent en balade. Enfin, bon. Comme il est à l'UDIF, autant qu'il reste à la maison, tout le temps de ses études, parce qu'elles vont être longues. Du moins, tout le temps qu'il aura envie de rester à la maison, parce que se payer un cot, ça veut dire... Enfin, moi, je n'ai pas les moyens de lui payer un cot. C'est comme un loyer. Hein. Si on payait 2 loyers, là, c'est pas possible. Non, après, on verra bien ce que la vie lui propose. Et voilà Pilou qui va venir faire du DP avec moi. Ils ne te voyaient pas, tu sais, ils voyaient que mon DP, mais ils peuvent t'entendre. Hein. Ah, j'avais vu sa petite main délicate. Donc, voilà, ben Pilou était le chercher à la gare aujourd'hui, puisqu'il revenait aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas encore vu, parce que voilà, à mon avis, quand il rentre, enfin, à mon avis, non, je le sais, quand il rentre, il file chez lui. Il a récupéré sa guitare chez Marie. Non, c'est Pierre, c'est jamais chez... Ah oui, il y a un an et demi qui a été là-bas. Ah oui, quand même. Il va se remettre à la guitare, et je n'ai pas encore vraiment entendu son synthé, hein, mais bon. Beaucoup de passion aussi. Hein. Qu'il vienne. Il joue avec Pierre. Il joue quoi? Il jouait pas au synthé avec Pierre. Non, Pierre, allez, il avait espéré que Pierre lui apprenne quelques trucs, mais Pierre n'est pas très... C'est pas qu'il n'est pas très chaud, mais il dit qu'il n'en connaît pas plus, donc il regarde sur Internet. Maintenant, c'est rare que les jeunes hommes se disent, tiens, je vais faire la musique, je vais faire mes 3 ans, mes 4 ans de solfège. Hein. Quand j'aurai internet et regarder des tutos, et hop là, ils s'y mettent. Ce que c'est que la modernité, c'est génial quand même. Pour certaines choses, pas, mais pour d'autres, c'est super.
Alors, j'ai vu la vidéo des créas de Sissi, qui a retrouvé un petit peu sa voix. Ça fait plaisir. Après, je vais montrer à Pilou la vidéo de Génie, donc les Diams Dancé, où je lui avais posé une question et elle m'y répond. Et du coup, depuis, je pense que je vais rejouer au loto, gagner au loto et filer voir Eugénie. Non, bonne idée. Ah oui. Oui, surtout qu'avec ce qu'elle a dit, là, je suis prête. Hein. Moi, je suis prête à partir. Hein. Moi, je ne vous raconte pas ce qu'elle a dit. Hein. On avait qu'à aller voir sa vidéo. Hein. Je ne vais pas vous spolier. Hein. Donc, c'est la vidéo qui est en deux parties. J'ai eu la deuxième partie après la première, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Et puis, elle en a fait une autre que j'ai vue tantôt. Et là, elle nous montre un petit truc qui paraît génial, mais il faut avoir une imprimante laser, ce que je n'ai pas. Bon, peut-être la prochaine imprimante, mais celle-ci va encore très bien. Je ne sais pas si Sylviane, tu as une imprimante laser ou pas, mais si tu as une imprimante laser, je te propose d'aller voir la vidéo de Génie, parce que son truc est vraiment génial. Et ça pourrait plaire à Annie aussi. Donc, Sylviane et Annie sont deux de mes sœurs. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vachement les intéresser dans leur quotidien. Je ne vous en dis pas plus, allez voir sa vidéo. La 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 la. Bon, moi je vais vous laisser, on se reverra sûrement avant que j'aille me coucher. J'espère que je vais mieux gérer mon sommeil aujourd'hui, enfin cette nuit. Mais honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors je prends mon DP en bas, je le fais pendant que je regarde la TV, ça marchait assez bien. Mais comme j'ai envie de regarder les X-Men, puisque là j'ai regardé Wolverine, mais j'ai pas vu la fin, ça m'a kiki. D'ailleurs, est-ce que il tue son frangin? Non? Non, donc ça va. Ça, au moins je le sais. Bon, je demanderai plus de détails sur la fin, comme ça je pourrai entamer les X-Men, puisque Wolverine, c'est ce qui préside aux X-Men. Si, c'est marqué au tout début. Donc, c'est sur la chaîne Disney+. On a tous les X-Men. Donc, voilà, je vais me les refaire. Il y en a que j'ai vu, bien sûr. Mais je voudrais bien les refaire dans l'ordre. Et par contre, je me posais la question si Walking Dead, c'était la saison 9 ou la saison 10 que tu regardais, Eugénie, sur Netflix. Alors, sur Netflix, on est toujours à la saison 9. Mais par contre, sur Disney+, on est à la saison 10. Donc, je ne sais pas si on va regarder les X-Men ou si on va regarder Walking Dead. Je crois que Pilou n'aime pas des masses Walking Dead. Si. Si? Je tire en longueur. Mais écoute, moi, il y a Daryl, donc je vais même savoir comment il va. Important. Alors, j'ai vu, Dylan, que tu avais commencé ton nouveau DP. Enfin, je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit en privé, mais je suis contente que tu aies choisi celui-là. Hein. Je crois que je vais me le prendre, celui-là, d'office, parce que ça va aller dans la déco de la maison. C'est le petit jardin. C'est vraiment une image provençale avec les volets mauves. Là, tu vois ce qu'il a montré hier. Je le prendrai en plus grand. J'ai mon ventre qui gargouille. Aujourd'hui, j'ai mangé une petite tartelette. Vous savez, les trucs bons de maman, là. Petite tartelette au citron. Enfin, un petit biscuit au citron, comme ça. Et voilà. Donc, je serai contente d'arriver à l'heure du souper. Bon, moi, je vous laisse là. On se revoit certainement avant que j'aille dormir. Comme ça, je vous fais un petit coucou. Ou sinon, si j'ai été vraiment sage, ben, je vous revois demain matin. À tantôt!